Euminşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Ihdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Allahumme salli ala seyyidina Muhammed el-Fatih lima ulik ve el-hâtim lima sabak ve nâsır el-hakki bil-hakki ve'l-hâdî ila sıratikal müstakîm ala âlihi hakka kadri ve miqdârihi el-azîm. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Voilà. On va continuer avec les signes de l'amour du prophète صلى الله عليه وسلم. وقال ومنها أن يحب القرآن الذي أتى به وهدى به واهتدى وتخلق به. Regardez l'importance du Coran. Hein. Parmi ces signes, il y a le fait que le serviteur aime le Coran que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, regardez, a transmis, et par lequel il a guidé et a été guidé. Donc, il nous a guidés grâce au Coran. Donc, le Coran est transmis par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu touches le Coran, tu dois ressentir ce bienfait, hein, transmis par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par lequel il a guidé, regardez l'importance aussi ici du Coran, c'est une guidance, et a été guidé par le Coran, c'est une guidance pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, transmis par le prophète, encore, la valeur du Coran. Par lequel il a guidé. Et il a été guidé. Voilà. Et qu'il a incarné par son éthique. Quatre choses. Quand tu touches le Coran, tu dois penser à quatre choses. Donc, le prophète a transmis le Coran. Donc, imagine, ça veut dire quoi? C'est la main du prophète béni qui t'a donné le Coran. Regardez l'importance de ce livre. Parce qu'après, oui. Et par lequel il a guidé. Il nous a donné le Coran, il nous a transmis pour nous guider. Et puis, il a été guidé par le Coran. C'est une guidance pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, vous voyez, le Coran est lié au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète est lié au Coran. Hein? D'accord? Ça, c'est très bien de comprendre le rapport entre le prophète et le Coran. Il ne faut pas séparer les choses. Hein? Oui? Après? Et qu'il a incarné par son éthique. Kana khulu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 kh
Subhanallah, et dire, voilà, je vous aime. Et ça, c'est l'amour en Allah. Ça, c'est vrai. Et qu'il a incarné par son éthique au point que Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle, a dit, son éthique était celle du Coran. Donc l'éthique de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était le Coran. Le Coran était traduit par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu trouves tout. Le Coran, les prophètes, tout. Hein? La connaissance d'Allah azza wa jalla. C'est pour ça qu'on a dit que c'est un raccourci, le prophète. Il nous rapproche de tout. Si tu as le prophète, l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu auras accès à tout. C'est une clé passe-partout. Avec laquelle tu peux ouvrir toutes les portes. Et tu ne pourras accéder à rien sans le prophète. À rien. Sans le prophète, tu ne peux pas aller vers Allah Azza wa Jalla. C'est la porte, c'est le guide. Il n'y a pas de guide. Il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de lumière. Comment tu peux voir la lumière d'Allah Azza wa Jalla? Donc même le Coran, sa porte, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous ouvrir la porte du Coran, on va aimer le Coran, on va voir la réalité du Coran. Et si j'aime le Coran, ça c'est un signe de l'amour du prophète. Et l'amour du prophète, c'est après il va t'amener au Coran. Et voilà, c'est un cercle. Or, pour le serviteur, aimer le Coran, c'est le réciter souvent, agir selon ses préceptes et s'efforcer de le comprendre. Oui. Ainsi, le serviteur aime sa sunna et il ne fait que s'en tenir à elle. Wa alamatu hubbil حب والعمل وتفهم وحب سنتي ويقف عند حدودها قال سهل بن عبد الله علامة حب الله حب القرآن وعلامة حب القرآن حب النبي صلى الله عليه وسلم وعلامة حب النبي حب السنة سي كوا لا سنة السنة الموديل اي لو موديل C'est, on a vu samedi, c'est quoi la sunna? Parce qu'on parle de la sunna. Mais la vraie sunna, c'est quoi? C'est vrai, les habits. Non, le bon caractère. Hein, le hadith de Sayyidina Anas, on peut le répéter. Le modèle, mais. Le centre de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a, oh mon fils, si tu peux te trouver le matin et le soir sans avoir dans ton cœur le moindre ressentiment pour quiconque, fais-le. Puis il m'a dit, ajoute Anas, oh mon fils, ceci relève de ma sunna. Donc, peut-être le centre de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avoir un cœur amoureux, qui aime les autres. Aucune rancune, sans ressenti contre quiconque. Et celui qui revivifie ma sunna m'aime, et celui qui m'aime sera avec moi au paradis. Donc, vous voyez, la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'amour. Ça, si. Il ne faut pas oublier, pas seulement à l'extérieur. L'extérieur, l'intérieur, l'acte, les actes, tout. Tout est compris dans la sunna du prophète. Il ne faut pas négliger ça. « Wa alamatu hubbi sunna, hubbi al-akhira. » Vous voyez ?« Hubbi al-akhira. » Le signe de l'amour de la sunna, c'est l'amour de la vie future. « Wa alamatu hubbi al-akhira, bughdu al-dunya. » Le signe de l'amour de la vie future, c'est le détachement du bas monde. Wa alamatu bughd ad-dunya alla yadakhira minha illa zadan wa bulghatan ila al-akhirah. C'est la richesse, on a dit la pauvreté en Allah, c'est la vraie richesse. C'est l'essence de la spiritualité.
Le signe du détachement de ce bas monde, c'est de n'en prendre que des provisions et le strict nécessaire pour la vie future. La parole de Sayyidina Ibn Mas'ud est très belle ici, que chaque homme interroge, de son côté, Ibn Mas'ud disait que chaque homme interroge son âme au sujet du Coran. S'il aime le Coran, c'est qu'il aime Dieu et son prophète. « La yas'alu ahadun an nafsi illa al-Qur'an. Fa in kana yuhibbu al-Qur'an, fa huwa yuhibbu Allah wa rasoulah. In kana yuhibbu Allah wa rasoulah, fa sa yuhibbu al-Qur'an. » Si tu aimes le Coran, tu vas aimer le prophète. Si tu aimes le... Ou bien c'est le signe de l'amour du prophète. Si tu aimes le prophète, tu vas aimer le Coran. Donc, vous voyez. Ah, ça c'est aussi très beau. Alors, qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à maintenant? Un signe, c'est quoi? Voilà, l'amour du corps. Parmi les signes de l'amour du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'amour du corps. Donc, essayez de lire le Coran, essayez de consacrer un peu du temps pour le Coran. ومن علامات حبه للنبي صلى الله عليه وسلم شفقته على أمته ونصحه لهم وسعيه في مصالحهم ورفع المضار عنهم كما كان صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوفا رحيما. Ça c'est très beau aussi. Parmi les signes de son amour pour le prophète صلى الله عليه وسلم, il y a aussi le fait de compatir avec les membres de sa communauté, leur prodiguer de bons conseils, s'occuper de leurs intérêts et le soustraire aux nuisances. Prenez des photos, je crois, ça va? Oui, on a toujours. Les soustraire aux nuisances, à l'image de l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, qui était miséricordieux et bienveillant envers les croyants. Alors, deuxième signe, avec les membres de la communauté, leur prodiguer des bons conseils, c'est-à-dire donner le bon conseil et leur éviter toutes les nuisances. Voilà. Servir la communauté, aider la communauté, la solidarité, la compassion, la douceur, hein, la bienveillance, tout ça, ça c'est aussi un signe de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Être au service. Être au service. Qu'est-ce que j'ai fait pour la communauté? J'essaye de faire. J'essaye d'être positif. J'essaye de contribuer au bien-être de l'humanité. Hein, de l'humanité. Être une valeur ajoutée. Voilà. Hein? Hein? Faire quelque chose. Si tu as un souci, vas-y, sers les autres. Sois utile pour les autres. Ça, c'est un signe de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, l'amour du Coran, c'est entre toi et le Coran, mais aussi, il y a un signe à l'extérieur, dans la communauté, voilà, servir la communauté. Oui. La communauté, c'est n'est qu'une porte, qu'une porte vers l'humanité. Hein. Parce que pour sortir de chez moi, je commence par ma porte. Après, je peux aller plus loin. C'est logique. Mais je ne dois pas refuser de faire un service à quelqu'un parce qu'il n'est pas musulman. Si c'est, je suis devant quelqu'un qui me demande un service, je dois le faire. Nous sommes comme la pluie. La pluie, elle ne fait pas de distinction. C'est ça. Elle donne ses biens à tout le monde. Parmi les signes de la perfection de son amour, il y a le fait de renoncer au bas monde, de préférer la pauvreté et de l'assumer. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Saïd al-Khudri, la pauvreté se hâte vers celui d'entre vous qui m'aime plus rapidement que le torrent d'eau du haut d'une vallée ou d'une montagne. De même, dans le hadith que rapporte Abdullah ibn Mughaffal, un homme a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô envoyé de Dieu, je t'aime. Il lui dit, considère bien ce que tu dis.
L'homme jura trois fois, par Dieu, je t'aime. Il lui dit alors, prépare-toi à résister à la pauvreté. Comment vous comprenez ça? Alors juste en arabe, وَمِنْ عَلَامَاتِهِ تَمَامُ مَحَبَّتِهِ زُهْدُ مُدَّعِيهَا فِي الدُّنْيَا وَإِثَارُهُ الْفَقْرَ وَاتِّصَافُهُ بِهِ وَقَدْ قَالَ صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد الخدري إِنَّ الْفَقْرَ إِلَى مَنْ يُحِبُّنِي مِنْكُمْ أَسْرَعُ مِنَ السَّيْلِ مِنْ أَعْلَى الْوَادِي أَوْ الْجَبَلِ إِلَى أَسْفَلِهِ. وفي حديث عبد الله بن مغفل قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني أحبك فقال انظر ما تقول قال والله إن وإني أحبك ثلاث مرات قال إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا. ثم ذكر نحو حديث أبي سعيد بمعنى. Alors comment vous comprenez ça? J'ai l'amour des prophètes sallallahu alayhi wa sallam, je deviens pauvre. Je dis la pauvreté spirituelle, c'est-à-dire la pauvreté dans Dieu, c'est-à-dire que tu détaches de la dunya et tout. Il y a le cœur, ils se remplit avec l'amour du professeur Al-Sanam. Si ça se remplit avec l'amour du professeur Al-Sanam, bah, tu as l'amour de Dieu. Voilà. Donc, tu as fait le vide dans voilà. Par rapport à la dunya, par rapport à tous tout ce qu'on a comme divinité dans notre cœur. Voilà. L'argent, détachement. Donc de l'extérieur, tu ou bien au début, tu peux être pauvre aussi. Tu seras éprouvé. La pauvreté peut être au début pour te détacher de la douleur. On ne parle pas de la pauvreté matérielle. Ça peut être matériel aussi. Ça peut être aussi des soucis donc financiers, tout ça, au début. Pour te détacher, après, Inch'Allah, tu seras peut-être riche, mais en même temps détaché. Donc, tu as la richesse du cœur. Tu as l'essentiel, en fait, quand tu arrives à une... Tu as l'essentiel. L'essentiel de... Ouais. Mais tu as l'essentiel, voilà. Il y a beaucoup de riches qui sont pauvres. Ouais. Il y a des pauvres qui sont riches. Donc, tu auras la vraie richesse. Ouais. Voilà. Après, tu peux rien garder dans ta main. Tu vas donner tout. Oui. Tu deviens très généreux. Oui. Tu ne peux pas garder. C'est pour ça qu'on dit que tu seras pauvre. Comme le prophète. Le prophète, il était riche. Hein, il recevait beaucoup d'argent. Oui. Mais il ne garde rien. Saïdna Abou Bakr Siddiq était très riche aussi. Mais il ne garde rien. Il avait le prophète et Allah. Non. Pour lui et pour sa famille. Est-ce qu'on peut dire Saïdna Abou Bakr était pauvre, était riche, mais matériellement, il n'avait rien à la fin de sa vie. Une brebis, ou bien une chèvre, avec le récipient pour le lait et tout ça. Donc, ça, c'est une grade, hein, ceux qui aiment le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Hein? C'est la sélection. Des fois, on va très loin. Comment, Warda? Des fois, on se croit prêt. Tu vois, des fois, on se croit prêt. Oui. Et puis, des fois, on est très, très loin. Alhamdulillah, ces épreuves prouvent que vous êtes proche du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, aussi. Hein. C'est un degré très haut. Alors, on a vu deux signes aujourd'hui. Le premier signe, c'est l'amour du corps. Deuxième signe, le détachement de la donnée. Donc, ton souci, c'est quoi? C'est l'amour, c'est la lecture, c'est le vikr. Hein, ça, c'est parmi les signes. Il ne faut pas penser que, voilà, je suis riche, ah, j'ai mis le prophète, le lendemain, je vais être pauvre. C'est pas ça. C'est ce détachement, le cœur se détache de l'avidité, de la cupidité, se remplit graduellement par la richesse du prophète, par la richesse de l'amour, et voilà, te détache de cette. Tu sors, tu te libères petit à petit. Donc, avec un front, tu peux être heureuse. Voilà. C'est ça la richesse. De l'extérieur, on va dire, il est pauvre.
Mais à l'intérieur, tu es riche, tu te contentes du minimum. C'est ça la pauvreté en Allah. C'est le contentement, c'est la satisfaction, c'est la baraka. Parce que tu as la baraka, tu as le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète, c'est la vraie subsistance, c'est la vraie richesse. Tu as la lumière dans ton cœur. Alors peut-être, l'autre, il a beaucoup d'argent, mais beaucoup de ténèbres. Donc il n'y a pas de baraka. Hein? C'est une subsistance ténébreuse, hein? Nuisible. Avec l'argent, avoir Les ténèbres et les lumières ne cohabitent pas. Ne cohabitent pas. Mais vous voyez, de l'extérieur, tu es pauvre. Hein. Tu as une voiture simple, tout ça, ou bien une maison simple. Et pour toi, c'est beaucoup. Parce que c'est amplifié par l'amour du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Vous n'êtes pas convaincu. Non, j'essaie de mettre en pratique dans ma tête. Ou bien comprendre. Comment vous comprenez ça? Peut-être je me trompe. On est habitué quand même à faire des calculs, des comptes. Est-ce que quand on fait ça, on doit mettre l'amour du prophète pendant qu'on fait ça? Oui. Comment on fait tous ces calculs-là? Est-ce que c'est un hadith pour ce compagnon? Hein? Allahu Alam, mais ça c'est général d'après. Donc il y a cet engagement dans l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut s'engager, il ne faut pas calculer. Il ne faut pas calculer. Hein? Mais c'est une Et comme subsistance. je dis, souvent, bah, tu as une intuition que je donne. Tout d'un coup, il y a un autre côté qui te dit, non, mais tu vas donner, mais tu n'auras plus, et puis tu n'as pas l'argent, et puis il faut finir le mois. C'est vraiment systématique, à chaque fois, tu as un élan comme ça. Systématiquement, tu as un truc qui veut, et puis voilà, il y a l'autre qui vient calculer, qui va te dire, puisque tu n'es pas 100% confiant en Dieu, et puis qu'on sait que c'est lui qui va venir avec ta subsistance. Donc, c'est constamment ça. Mais avec le prophète, l'amour du prophète, ça, il n'y a pas de souci. La prière sur le prêtre paye les dettes. Donc, tu ne sauras jamais, c'est Allah qui va régler tout. Il y aura des soucis, mais très légers. Hein? Vite, tu vas trouver la solution. Parce que ton cœur est rempli par la lumière. Hein? Parce qu'on cherche quoi? On cherche le bonheur, nous, à travers l'argent. Mais tu l'as déjà. Donc, tu vas travailler, mais tranquillement, sans stress, sans être préoccupé. Hein? Sans peur. Il n'y a pas de peur. C'est ça la richesse, la vraie richesse. Tu vas donner. Parce que voilà, La vraie tu as richesse, le c'est se laisser. libérer. Se libérer. Ça, c'est libérer de ses calculs. Oui. De s'éloigner dans le calcul. Tout en faisant ses calculs, on est dans un système qui est oppresseur, vraiment, qui vraiment. Puis c'est tellement facile de dire oui. Des fois, on se dit oui, il faut que ça, c'est la réalité. On Oui. fait le contraire, non? Oui. Des fois, tu fais tes prières, tu dis bon, maintenant, je suis dans la réalité, alors qu'on n'est pas dans la réalité. Mais quand tu es dans tes calculs, que tu as. Voilà. Que tu dois, tac, tac, tac. Oui. Toi, tu as l'impression d'être dans la réalité de cette vie. Oui. Parce que voilà. Il faut en fait. Il faut se remplir de l'amour du prophète. Oui. Et puis, en faisant ça, dire encore les salats sur le prophète, pour voir si notre corps, notre intérieur s'imprègne de tout ça pour lâcher. Parce qu'on l'oublie, hein, quand on est dans les. Enfin, je vais les faire, hein, les salades sur le prophète, je fais ma cuisine, enfin, voilà, je fais tout, je pourrais rester une heure, je fais ça. Puis après, que Dieu me pardonne, mais je vais dire, je reviens aux choses sérieuses. Enfin, c'est-à-dire, c'est comme si mon corps me dit, ah oui, là, c'est ça, allez, maintenant, on doit faire ci, on doit faire ça, Oui. et tu détaches ton spirituel et tu te mets dans la vie. Oui. Alors qu'il faut le faire rentrer, je ne dis pas, il faut vraiment qu'il nous accompagne.
Voilà, c'est, tu restes toujours Tu dis avec. bismillah, mais en faisant les salats sur le prophète et penser à la pauvreté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il est mort, qu'il n'avait rien, qu'il a réussi à bien vivre, il ne faut pas que ça nous stresse, parce que c'est le stress qui nous tue, c'est Oui. pas Oui, ça va un venir rapport. graduellement, hein, ce stress partira gentiment. Ouais. Mais ça, c'est pas d'un coup, hein. Cette richesse envahira le corps petit à petit. C'est normal aussi de vivre des fois des phases de lumière et ténèbres. Ténèbres, Après, ça pour devient réussir à se dissiper petit à petit. comme La le brouillard. lumière, comme l'aube qui vient chasser la lumière gentiment, avec douceur. C'est normal aussi. Donc, il faut patienter, continuer. Hein, Faut baisser les bras. attention, il y a la pauvreté, l'humiliation. C'est différent. Hein. Tu peux être pauvre, mais en même temps digne et honoré. Hein. Ça, c'est la pauvreté. Parce qu'il y a des riches qui sont avides, soumis, qui courent derrière l'argent. Ils font tout, ils vendent leurs principes, tout ça. Et ça, c'est aussi, c'est pas une vie. Hein. Donc là, c'est la pauvreté, peut-être spirituelle, qui nous libère de toute forme de soumission, de toute forme d'humiliation. Donc, pauvre extérieurement, mais dans la réalité, je suis très riche. Un Parce que franc, un franc pour moi, c'est vrai, ah, il n'a pas beaucoup d'argent. Mais moi, c'est 1 million. Pour moi, c'est 1 million. Pourquoi c'est amplifié par la prophète de la bénédiction? Hein? c'est notre trésor caché. C'est notre trésor caché. Exactement. Comme la nourriture. Des fois, un pauvre, il te donne un peu de sauce avec du pain. Tu dis, mais c'est rien. Quand tu manges, tu trouves la baraka. C'est pauvre, hein? C'est rien ça. Mais il y a beaucoup de baraka à l'intérieur. Et là, ça, c'est le sous-entendu du hadith. Pauvreté extérieure, mais richesse intérieure. Parce que malheureusement, pourquoi cette pauvreté? C'est pour nous pousser à chercher la vraie richesse. L'homme, c'est comme ça. Moi, j'ai vu ça. Les gens qui aiment le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils trouvent beaucoup de facilité dans leur vie. Beaucoup de facilité. Sont jamais humiliés ou bien mendiants ou bien non. Ils trouvent beaucoup de facilité. Mais, mashallah, toujours ils se contentent de ce qu'ils ont. C'est vrai. Ils se contentent. Ils sont riches de l'extérieur. J'ai l'exemple d'une sœur qui fait la prière tout le temps. En cuisinant, elle fait tout le temps. Elle est en permanence Mashallah. en faisant la prière sur le prophète. Elle n'a pas des moyens. Mais, subhanallah, c'est tout ce qu'elle fait, ça s'amplifie. Subhanallah, elle fait quelque chose vraiment peu, mais ça donne des quantités extraordinaires. J'ai vu ça de mes propres yeux. Oui. Vraiment. Oui. Et à chaque fois que je vais chez elle, je pars avec, elle me dit, voilà, je t'avais préparé quelque chose. C'est moi qui dois censé t'apporter quelque chose, c'est moi qui pars avec. Elle me dit, voilà, t'es pour tes enfants. Tiens. C'est un truc que j'ai vu de mes propres yeux. Oui, par expérience, Par plusieurs, il y a, expérience. oui, il y a plusieurs cas comme ça. Sont riches, tu sens, ils sont riches. Ça veut dire, le mot al-ghina dans la langue arabe signifie quoi? Tu t'es cerné, c'est-à-dire que tu n'as plus besoin De quelque de chose, rien. de quelque chose. De quelque chose. Tu n'as pas besoin, tu as tout. C'est ça al-ghina. Al-ghina dans la langue, j'ai pas besoin des autres. Deux autres. Ou bien d'une chose. C'est ça le mot ghina. L'argent, pourquoi c'est? Parce que grâce à l'argent, si j'ai de l'argent, je n'ai pas besoin des autres. C'est un moyen. Mais si je la trouve ailleurs, dans l'amour du prophète et l'amour d'Allah Azzawajal, même l'argent, je n'ai pas besoin J'ai pas de. besoin. Prenez. Donc ça me bouche un peu le cœur. Hein. L'argent me bouche le cœur. Oui, Parce elle qu'on compte sur remplit. l'argent. Voilà, on va compter sur l'argent.
Et vous connaissez l'histoire de l'argent. Elle vient, elle part, les radars, les je ne sais pas quoi, les ceci. Donc, si tu aimes le prophète Sassan, tu seras détaché de l'ampleur éphémère de l'argent qui sera remplacée par l'ampleur de la richesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu al. Ça, c'est, il faut faire l'expérience. Alors, après, sur la signification et la réalité de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et là. On n'a plus le reste. Ah oui. Alors. C'est presque ce qu'on a C'est vu, ça? c'est ça. Sur la signification et la réalité de l'amour du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. اختلف الناس في تفسير محبة الله ومحبة النبي وكثرت عباراتهم في ذلك وليست ترجع بالحقيقة إلى اختلاف مقال ولكن اختلاف أحوال. Les gens ont divergé sur l'explication de l'amour de Dieu et de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en proposant une multitude d'expressions et de définitions en ce sens. Ceci est dû en réalité non à une différence de formulation, mais à une différence d'état spirituel. فقال ça c'est clair. Hein? فقال سفيان المحبة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه التفت إلى قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. Alors, ainsi سفيان disait l'amour, c'est suivre l'envoyé de Dieu صلى الله عليه وسلم. Et il se référait à la parole divine, dit, suivez-moi si vous aimez Dieu, Dieu vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Dieu est celui qui pardonne, il est miséricordieux. Pour Sayyidina Sofiane, l'amour c'est. Voilà, suivre le prophète, cela c'est. Fattabi'ouni, tu suivais. Ouais. Dis, suivez-moi si vous aimez Dieu. Donc, suis le suivisme du prophète. Ça, bien sûr, avec amour. Hein, suivre avec amour. Y a, le suivre le prophète machinalement n'a pas de sens. Hein, si on parle d'amour, si vous aimez Dieu, aimez le prophète. Ça, si vous adorez Dieu, si vous obéissez à Dieu et à son prophète. Quelqu'un d'autre a dit, l'amour du prophète, c'est croire en lui, le soutenir et défendre sa sunna, s'y se mettre et craindre de s'y opposer. وَقَالَ بَعْضُ مَحَبَّةُ الرَّسُولِ اِعْتِقَادُ نُصْرَتِهِ وَالذَّبُّ عَنْ سُنَّتِهِ وَالْإِنْقِيَادُ لَهَا وَهَيْبَةُ مُخَالَفَتِهِ. وقال بعضهم donc ça c'est deuxième signification l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam on a dit suivre suivre la première deuxième croire en lui le soutenir le défendre se soumettre et craindre de s'y opposer à sa sunna. Hein? Donc là, c'est plutôt la défense, le soutien, hein? La vigilance. Hein? Donc ça, c'est aussi un aspect de l'amour. En réalité, c'est une manifestation, pas une signification. C'est une manifestation de cet amour. Lorsque j'aime quelqu'un, je prends sa défense. Et ça, c'est vrai aussi. Un autre a dit, l'amour, c'est la persistance dans la mention de l'aimer. Ça, c'est
Mais c'est pas la définition, la signification de l'amour. Ça, c'est un signe. C'est un fruit. C'est un fruit, voilà. Une continuité. Voilà. Voilà. Et quand on aime une personne, on parle souvent d'amour. Voilà. Donc là, peut-être la personne qui a donné cette signification, il persistait dans la mention de Dieu. Donc il parle de lui-même, il parle de son expérience. C'est pour ça qu'il a parlé. Chacun a donné une signification selon son état spirituel. Donc le savant, il a ce recul. Il ne parle pas de son état spirituel. Il regarde tous les états spirituels. Après, il fait sa conclusion pour voir le tronc commun. Hein? C'est ça. Là. Un autre a dit, l'amour, c'est la persistance dans la mention de l'aimer. Un autre a dit encore, c'est préférer l'aimer, c'est l'ardent désir pour l'aimer. Alors, wa qala akhar, itharu al-mahboub. Donc, il y a plusieurs définitions. C'est déjà, c'est préférer l'aimer. Ça, c'est une définition de l'amour. Mais c'est un aspect. C'est un fruit. Wa qala ba'dhum al-mahabbatu shawqu ila al-mahboub. C'est l'ardent désir pour l'aimer. Et ça, c'est un état spirituel. Ça ne peut pas être l'amour lui-même. Si j'aime quelqu'un, j'aurai l'ardent désir pour l'aimer. Vous êtes d'accord? Hein? Alors, qui peut nous donner un résumé jusqu'à maintenant de ces significations? Déjà, ça, c'est beau, hein? Qu'est-ce qu'on a vu? La signification de l'amour, tout d'abord. Les définitions. De suivre. Le suivisme. Se conformer à. Défendre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Hein, défendre. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Se soumettre et puis. De se poser. Voilà, c'est ça la défense. Hein. D'accord. Et donc là, on a dit plutôt fruit que signe, c'est le mentionner constamment. Voilà. La mention. D'être bien aimé. Et puis le préféré. La préférence. Et cinquièmement, l'ardent désir. Et ça, c'est une signification, mais en même temps, c'est des signes. On les a vus dans les signes aussi. وقال بعضهم المحبة مواطاة القلب لمراد الرب يحب ما أحب ويكره ما كره. Quelques minutes, 7 minutes, inshallah, comme ça. On a respecté les 45 minutes à cause de moi de retard. Selon un autre, l'amour, c'est l'inclination du cœur vers celui qui est en affinité avec lui. Bien, yes, non, avant. Ou encore, l'amour, c'est que le cœur se conforme au bon vouloir du Seigneur. Il aime ce qu'il aime et déteste ce qu'il déteste. Ça aussi, on l'a vu avant. Donc, se conformer. Voilà. Selon un autre, l'amour, c'est l'inclination du cœur vers celui qui est en affinité avec lui. وقال آخر المحبة ميل القلب إلى موافق له. Voilà les définitions. La plupart de ces expressions constituent, et ça c'est une définition, peut-être le Shir va la garder maintenant, l'inclination du cœur vers celui qui est en affinité avec lui. Ça, si vous arrivez à mettre sur vos statuts, ça sera bien, comme ça. Les gens, tu peux servir
la communauté. La plupart de ces expressions constituent une allusion au fruit de l'amour et non pas à sa réalité. Bon, la réalité, il n'y a personne qui peut vraiment t'expliquer la réalité, surtout des vertus. Pourquoi? Pourquoi on ne peut pas définir les vertus? Ou trouver la réalité? C'est, on ça peut. Fait partie de la réalité. Ça fait partie de Dieu. C'est la même. La réalité ne change pas. C'est notre perception, c'est la vision qui change alors. Ah, c'est la vision, c'est oui, ça c'est clair. Mais la réalité ne change pas. Et c'est l'absolu. C'est l'absolu, c'est Dieu. La vertu émane de Dieu. C'est pour ça qu'on a passé l'autre fois une heure à chercher la définition de la réalité de la justice. On a la conclusion, c'est on a vu la balance, donc une parabole, juste une parabole qui nous rapproche. Une balance avec des atomes sur un plateau et les actions, bien les vertus, les sentiments et tout de l'autre côté. C'est tout. Au Sérat. C'est aussi la balance, la justice. La justice, c'est voilà, voilà. Le prophète sallam, il a vraiment l'équilibre. C'est le seul qui va marcher comme il faut sur le Sirat. C'est tout ce qu'on peut faire. Mais la réalité de la justice, impossible. La réalité de l'amour, impossible. C'est très difficile. Seulement, c'est le cœur, la contemplation, et après, comment tu vas expliquer, à qui tu vas expliquer, et qui va te croire. C'est difficile. Il faut avoir un cœur, il faut que le récepteur ait un cœur aussi. Cher, on ne peut pas mettre des mots dessus, mais par moment, tu as des éclairs, des sensations, des éclairs qui t'arrivent comme ça, où tu sens une certaine. Je ne sais pas, quand tu sens le cœur qui est en joie, qui est vraiment qui veut voler. Je ne sais pas, c'est des moments comme ça, mais je pense que c'est où tu sens, tu touches quelque chose qui est. Quelques voiles. Mais tu reçois des voiles. C'est des voiles. Oui. C'est des voiles. En fait, c'est un voile derrière la source lumineuse. Oui. Alors, tu penses que c'est la fin, non? Non, c'est pas que la fin. Une merveille, on non, dit. Non, c'est pas la fin. Mais c'est-à-dire que c'est comme un goût. Ça, il l'appelait le Razel, il quoi? Une merveille, on dit. Une ou un? Une merveille. Et les merveilles dans le cheminement spirituel. N'ont pas de fin. C'est pas une question de déception, mais c'est parce qu'il y a d'autres qui sont. Oui, mais c'est-à-dire c'est quelque chose qui te donne te met en joie et te donne envie encore d'aller plus loin. Oui, oui, c'est ça. C'est ça les merveilles. C'est une merveille. Je ne sais pas que c'est des merveilles. Moi, des fois, une fois quand je devais aller voir. Ça dépend. Des fois, on se sent grand. Je ne sais pas si ça vous arrive. Oui. On se sent grand. Pas par orgueil. Hein. Pas du tout. Hein. Tu te sens grand, en fait. Tu es là, dans la rue, et tu vas quelque part, et tu te sens grand. Dans ton humilité, tu te sens grand. En fait, quand elle parlait de sensations, des fois, je ressens ça. Et ça m'apaise énormément. Oui. Et après, je me dis, mais des fois, je regarde autour de moi, mais les choses, elles sont à leur place. Hein. Oui, oui. Moi, je suis comme je suis. Mais j'ai l'impression d'être une géante. Méchante. Et ben, c'est ça. Ça, c'est très beau. Ça, c'est vrai. Et puis après, tu dis, mais qu'est-ce que j'ai rien fait. Et puis, t'as presque honte parce que tu dis, attends, est-ce que je me crois? Puis tu dis, non, mais c'est vraiment quelque chose que tu le sens. C'est vrai, on est d'accord. Des moments où tu es submergé par quelque chose, il y a les larmes qui tombent. Le Halaj, il a dit, je suis Dieu. Parce qu'il était envahi par... Tu es submergé par quelque chose. Là, tu peux même... Ça, c'est les éclairs, l'extase. Ça, c'est les moments d'extase. Mais c'est vraiment des éclairs. Heureusement, ça ne dure pas longtemps. Mais dans l'humilité, comme il a dit. Comme celui qui a un franc, mais pour lui c'est des millions. Aussi,
C'est la même chose. Quand tu es petite ou petit, tu es en même temps géante. C'est ça. Voilà. On va clôturer avec cette beauté, Inch'Allah. Hein? C'est très beau, Mach'Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wal 'asri inna al-insana fi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.